Vous voyez, chers frères et sœurs, l'affaire Porta Porti, je ne sais pas si je dis bien le nom, il y a une vidéo qui circule. Je n'ai pas regardé la vidéo puisque mes amis, mes proches m'ont dit vraiment ne cherche même pas à regarder la vidéo. Parce que, te connaissant, si tu regardes cette vidéo, tu risques de piquer une crise. Mais on m'a un peu expliqué ce qui s'est passé. Et je sais que vous savez ce qui se passe. C'est à Dubaï que ça se passe. On avait déjà vu une vidéo où une dame donc, est devenue une chienne totalement. Qu'ils ont mis dans une cage. C'est vrai que j'ai déjà parlé, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà parlé de ce sujet. Mais je voudrais aussi faire une vidéo préenregistrée pour en parler. Et pour balancer cette vidéo-là sur mes chaînes. Mes réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et Instagram. Vous voyez un peu comment est-ce que le monde fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les femmes, toutes les influenceuses qui forcément font ça. Mais une réalité est telle que nous savons ce que la plupart des influenceuses font pour avoir l'argent qu'elles ont. Il y a plusieurs photos. Quand vous allez sur les pages, elles sont toujours brillantes. Toujours des nouvelles voitures de dernière génération, notamment Range Rover. C'est ce que la plupart aiment beaucoup. Range Rover, des véhicules décapotables. Tout le temps, je m'en vais à Dubaï pour faire les affaires. Sinon, normalement, Dubaï, c'est un endroit où plusieurs femmes vont et même des hommes pour acheter des marchandises pour venir les revendre. Mais vous allez voir que la plupart, regardez, fouillez très bien sur les réseaux sociaux. Toutes les influenceuses qui ont posté disant que je m'en vais à Dubaï, elles ne ramènent jamais des marchandises. Jamais. Parce que si elles ramènent des marchandises, elles vont les filmer pour chercher de la clientèle puisqu'elle est déjà influenceuse. Donc c'est bon d'arriver pour que ces marchandises puissent marcher. Mais elles ne ramènent jamais rien parce qu'en réalité, elles ne vont pas pour des marchandises. Ce sont elles les marchandises. Et c'est ça. La triste réalité, chers frères et sœurs. C'est triste de constater que les femmes que vous aduliez, parce que pour un homme raisonnable, quand tu sais comment elles gagnent leur argent, tu ne peux plus aduler, c'est-à-dire aimer tellement jusqu'à adorer, être obsédé de ces femmes-là que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui sont des influenceuses, d'autres sont des coachs, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les Dubaïens ou les Dubaïliens, je ne sais pas ce qu'ils marchent avec, le mot Dubaï, mais les hommes de Dubaï, les riches, sont des personnes qui veulent avoir des fantasmes au-delà des fantasmes normaux que Dieu a créés. C'est-à-dire, le fantasme normal, c'est que tu sors avec une fille, tu as un goût. Une fille te touche, tu touches une fille, tu reçois un goût. Tu caresses une fille, il y a un certain goût. Tu embrasses une fille, il y a aussi un certain goût de cela. Mais eux, c'est des fantasmes où on met une fille dans une cage qui a porté un caleçon avec une queue et qui aboie exactement comme une chienne et qui joue le rôle d'une chienne, mais c'est un être humain. Cette dame-là est quittée en Afrique et elle est devenue chienne à Dubaï. La réalité, c'est que ces personnes-là préfèrent maintenant prendre les influenceurs, c'est-à-dire une personne qui est connue. Une personne qui fait des vidéos sont vues, elle fait des vidéos et puis elle a des likes. Des cœurs. Elle est connue. Elle est belle. Et on pense que c'est peut-être à cause de sa beauté là qu'elle a de l'argent. Parce qu'elle est draguée par des hommes riches. En réalité, c'est faux. Les belles femmes influenceuses que vous voyez là, dont vous connaissez très bien leur nom, elles ont même des pages certifiées. Pour avoir pages certifiées là, il y a deux méthodes. Il faut répondre aux critères que Facebook demande. Ou bien il faut payer. C'est clair. Beaucoup payent. Parce que beaucoup ne répondent pas aux critères. Les critères sont les suivants. Est-ce que tu peux être retrouvé dans la presse nationale ou internationale? Nationale, c'est-à-dire dans ton pays. Est-ce que les journaux parlent de toi? Par exemple, Alassane Dramane Ouattara ou M. Henri Konan Bédié ou bien M. Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, normalement, voici des personnes parmi tant d'autres qui doivent avoir leur Facebook certifié parce que la presse parle d'eux. Quand on fait journal parler de 20h,
Leur nom sort dans le journal parlé parce qu'ils ont des partis politiques implantés. Des partis politiques qui ont déjà pris le pouvoir ou qui sont au pouvoir. Vous comprenez maintenant, non? Donc, c'est des personnalités vraiment publiques. Mais quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas qui je vais prendre, je ne vais pas citer de nom, mais des personnes en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriennes, mais qui n'ont pas certifié, ces personnes ont payé, c'est clair. Sinon, les critères sont tels que, est-ce que tu peux être retrouvé dans la presse? Est-ce que ta page est ruining ads? Est-ce que tu fais des ventes en ligne, un truc comme ça, ou bien tu sponsorises ta page souvent? Est-ce que tu permets que Facebook ait de l'argent? Est-ce que, il y a trop de critères, qui sont des critères très difficiles. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Alors, ces femmes-là qui ont des pages certifiées, ces femmes-là qui sont connues, voici en réalité ce qu'elles font pour avoir l'argent qu'elles ont. Vous-même, regardez comment est-ce que la vie vous a blagué. Comment est-ce que d'autres filles, elles se sont détestées parce qu'elles ne sont pas à la place d'une telle personne, d'une telle femme qui est connue, qui est adulée, qui a l'argent. Elles se disent, hey, « Eh Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça ?» Oh, ce sont des filles qui mangent caca. J'ai vu la capture d'écran, mais je n'en revenais pas. Le monsieur est en train de chier. Elle a la bouche ouverte. Ça, c'est capture d'écran seulement que j'ai vu. Mais on dit que ça existe en vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont filmé ça. Les Dubaïs, ont filmé ça pour jeter sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Avec ça encore, est-ce que vous allez encore aller aduler ces personnes-là? Est-ce que vous allez encore donner une élévation à ces personnes par rapport à nous autres qui vous parlons de la vie réelle? Nous autres qui sommes sur, nous sommes dans la réalité. On ne mange pas caca. On ne lave pas dans l'anus des gens. C'est-à-dire, quand les gens chient, quand les gens chient, c'est elles qui viennent pour essuyer leur... C'est-à-dire, dans le même temps, on prend papier toilette pour essuyer les anus là. Elles prennent leur langue pour essuyer leur anus. C'est le contrat qu'ils ont signé. Des choses inhumaines. Que YouTube me pardonne, que Facebook me pardonne de ce que je dis les mots de manière vraiment cruelle. De manière vraiment crue. Pas cruelle, mais crue. Bon, cruelle, c'est la même chose, non? Cruelle, c'est ce qui est cru, non? Je ne sais pas. De manière vraiment dure. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Je suis déçu de ce monde. Et malgré ça, vous allez voir des gens qui vont dire ça fait rien. C'est leur vie. Elles ont choisi de vivre comme ça. C'est leur vie. Vous aimez juger les gens. De vous à moi, un être humain qui mange caca peut être encouragé, peut être supporté. Toi, tu as une conscience, tu as une âme qui peut aimer, qui peut supporter ça. Mais c'est que tu n'es pas un être humain toi-même. Mais c'est grave. C'est des choses que quand tu regardes, tu dois être triste. Tu dois même jeter, cracher. Si tu es dans un environnement où tu peux cracher, tu dois enlever le crachat qui est dans ta bouche pendant que l'image ou la vidéo, tu la regardes. Parce que nous sommes des êtres humains. On a quand même nos limites dans nos animosités. L'être humain a une partie d'animosité en lui. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui gifle une femme, qui frappe une femme qui n'a pas force naturellement. On a vu des hommes ici qui ont taper, frapper une femme, il a pris fer à repasser pour limer la femme. Ça, c'est le côté animal d'un être humain, surtout l'homme. Vous comprenez un peu? Mais il y a des limites, il y a des choses que même quand l'homme voit, même un grand braqueur, quand il voit un enfant, il ne peut pas tirer sur un enfant. Vous voyez un peu, non? Même un grand criminel, un tueur, un coupeur de route, il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que c'est quand même un être humain. Vous comprenez un peu? Mais vous allez voir, peut-être il y a d'autres qui vont dire non, vous aimez trop, tant, vous aimez toujours attaquer les gens, mais est-ce qu'on peut manger les excréments? À cause de l'argent que l'homme lui-même crée, toi tu manges caca de l'homme. Oh, tu es un homme. L'argent là, c'est les hommes qui ont fabriqué. Les biens là sont imprimés dans des machines. Je suis triste. Je suis dépassé. Et vraiment, je suis peiné pour ce monde. Regardez la vie que vous menez. Chers frères, je termine cette vidéo pour vous encourager à donner vos vies à Jésus-Christ. C'est mieux. N'adulez pas ces femmes-là. N'adulez pas ces soi-disant influenceurs, ces coachs, influenceuses-là. Voici l'un de leurs tuyaux qui vient de s'éclater. Et les gens commencent à comprendre. Ah, quand elle monte dans cette voiture, quand elle monte dans tel avion, en classe business, déjà, c'est ce qu'elles vont faire. Oui, voici ses sorties. Il y a même une femme qui est sortie, qui a témoigné de ce qu'elle a subi. Chers frères et sœurs, dans les 10 secondes qui viennent, j'aimerais vous demander, chers frères et sœurs, il est mieux d'adorer Dieu
que d'adorer ces personnes-là. Elles sont vides et sans honneur et sans dignité. Je vous remercie.